À la parole. Merci, Monsieur le Président. L'article 4 a pour objet de faciliter la réparation des équipements électriques et électroniques et des biens d'ameublement en rendant obligatoire l'information sur la disponibilité des pièces détachées. Il vise également à réduire leurs coûts grâce à l'utilisation de pièces détachées issues de l'économie circulaire. Une obligation de disponibilité des pièces détachées et des équipements médicaux est créée aussi pour une durée de 5 ans. Pour rappel, les professionnels de l'entretien et de la réparation des équipements représentent 27 000 entreprises et 34 000 emplois. Or, il s'avère que l'information sur la disponibilité des pièces détachées est souvent manquante ou délivrée de manière insatisfaisante aux consommateurs. Les vendeurs évoquent la difficulté d'avoir les renseignements de la part de leurs fournisseurs. Cet article 4 va donc permettre de donner une information complète et fiable sur la disponibilité des pièces détachées et donc de mieux orienter le choix des consommateurs vers des équipements électriques et électroniques plus durables. Le délai de fourniture de ces pièces passe de 2 mois à 15 jours, conformément à la réglementation européenne. En commission, j'avais proposé un amendement, ainsi que deux autres collègues, les députés Bricou et le député Descoeur, qui va améliorer encore l'information puisqu'elle sera rendue disponible et obligatoire sur support dématérialisé. Les imprimantes 3D pourront aussi être utilisées lorsqu'une pièce ne sera plus présente sur le marché. C'est donc une grande avancée pour la réparabilité des équipements électriques et électroniques et je vous invite donc à voter cet excellent article.